Ah, voilà. Ok. Continuons, Ninja Gueudin. Donc, donner de fin. Let's go. Impact? Pardon. Ryu no ninja mo chi ni ochita mono yo na, Joe Hayabusa. Ika ni mo, jadou ni ochita na Genshin yo. Jadou da. Ce titre par contre invisible. Shinobi no michi ni sei mo ja mo nashi. Yowaki mono domo no matsuru, sunawachi sore ga jadou da. Ozaki, ware ra no innen mo koyoi ga kagiri yo. La grosse sauterie aujourd'hui, hein. Alors, premier truc à faire, toujours regarder derrière soi au début d'un niveau. Salut! Ah, c'est quand c'est bleu en fait, d'accord, que je peux forger. Donc je ne peux en forger qu'en améliorer qu'une seule. Je pense que je vais surtout améliorer la principale. Ça coûte rien? Ça coûte rien, d'accord. Ok. Donc du coup je peux utiliser mon pognon comme je veux. Intéressant. Oui d'accord, mais du coup ça me coûte rien. Putain c'est craqué. C'est craqué. J'ai réfléchi. Est-ce que je prends quelque chose? Tu me diras. On va se contenter de ça pour le moment. Attends. Ok, c'est par là la suite. Donc moi je vais par là. C'est un combat annexe. Les ninjas aux griffes sont assez dangereux. Oh 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 oh. Une vie des dieux. D'ailleurs les upgrades de vie, j'ai vu que dans le 2 on n'a pas besoin de les utiliser.
ça s'utilise automatiquement, ça c'est cool. Oui, parce que moi hier, du coup, la dernière fois, hier, non, pas hier. La dernière fois, j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps. On a eu ce coup là, ce qui normalement devrait être utile pour la suite. Je sens que dans le premier c'était très fort pour les boss. Ah, génial. J'en ai acheté une pour au final qu'il y en ait une ici. Hein? Oh 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 oh. Alors, grain de cristal, d'après ce que j'ai compris. Connard. C'est par là qu'on va pour la suite. Donc moi ce que je vais faire, je vais aller par là. Devoir me appuyer plein de fois sur la touche, c'est un peu con. C'est pas très ergonomique, mais bon. Ok. Donc du coup, je vais aller de ce côté pour voir s'il n'y a pas un truc sous l'eau de ce côté. Non. Je préfère fouiller pour rien. Que de rater un truc qui pourrait être intéressant. Oui, donc du coup les crânes de cristal, d'après ce que j'ai compris, enfin crânes de cristaux, bref, les crânes de cristal du coup sont, ça sert à réduire le coût de la boutique de Muramasa, d'après ce que j'ai compris. Oh. Les chiens vous calmez. Oui, bah ça, la contre-attaque, je l'avais vu. Et non, là c'est la pièce, c'est là où j'étais tout à l'heure. Un petit heal et une save. En tout cas, pour le moment, je m'amuse plus que sur le 1, on va pas se mentir. Dans la pièce. Y'a rien là. Et voilà, c'est dedans. Hein. Bon bah ok. Deux secondes. Voilà. Désolé, des fois je vérifie si mon son... Si vous m'entendez toujours. Ouh, les griffes! Miam! Ah, j'ai un vol de l'air en derrière, les mecs. Nice.
Et les griffes, on pouvait pas les louper de toute façon. Donc, ça, c'est cool. Vu que j'ai amélioré le sabre, je vais utiliser le sabre. Non, merde. Là. Mais ouais, les griffes, c'est cool, c'est cool. Là, la caméra m'a pas aidé. Alors toi, tu meurs. Ok, c'est là-dessus. Et Fulby, hey. Non, les combats sont quand même vachement plus agréables que dans le 1. Voilà, la technique de Lisan Nazuna est là. Et le truc qui est bien, c'est que tu peux quand même l'utiliser même si ton te l'a pas appris. Alors que dans le 1, faut vraiment... Maître de la contre-attaque. Je m'excuserai, j'ai pas envie qu'il m'emmerde par la suite. Et comme j'ai pas encore d'arme à distance qui fait des dégâts. Tu meurs quand tu veux. Voilà. 50, pile. Oui, non, il n'y a pas de coffre. Bon bah du coup j'ai eu un trophée pour 100 coups, c'était pas ce que je voulais faire mais écoute. Je voulais vraiment les tuer parce que on sait jamais hein, s'il y a un combat juste derrière. Hey, maintenant je peux faire des combos avec triangle. Chose qui n'était pas le cas dans le 1 non plus. Ah non mais il est tellement bien le 2. Pour le moment il est tellement bien, ça se trouve je vais gueuler dans 3 minutes. Attends, faut aller où? Ok, faut aller dans la petite grotte. Heureusement que j'ai vérifié. De toute façon bah y'a que moi à ça là. Il a chai. Ok, je peux en avoir que 3. C'est moins que dans 1, mais bon.
Déjà, on a une régène de vie à la fin de chaque combat. Salut! Et je finish! Voilà, merci! Il donne régulièrement des orbes rouges quand même. Hein. Ça incite beaucoup plus à utiliser le Nimpo. Chose que je ne fais pas. Ah bah. Ça me parle des contre-attaques justement. Les textes où c'est juste un ninja qui fait oh j'arrive pas à utiliser cette technique, bon. Je préfère les. Bon, j'en ai un là, ok. Peut-être mieux pour les ninjas aux griffes, hein, quand même. Pourquoi c'est de la terre retournée, ça? Des orbes bleues, donc du soin. Ce qui soigne aussi mes dégâts de lésions, je vais les appeler comme ça, et le sang. Ouais, connard! Tiens! Je vois qu'il y en a un autre, hein, mais... J'arrive pas, je peux pas l'atteindre d'ici. Ah, le jeté de guillotine. Effectivement, il y a ça. J'avais beaucoup de mal à l'utiliser dans le 1. On verra bien ce que ça donne dans le 2. J'essaye de l'utiliser, mais c'est compliqué. Bon, alors déjà, bon... Voilà. La guillotine, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment être bien placé. Mais c'est très puissant. Je vois rien. Ah bah y avait plus personne. D'accord. Donc la suite c'est là-bas, d'accord. On va en fouiller un peu, il y a un cadavre là. Oui, la technique ultime. C'est ça. Je l'ai déjà montré lors du premier épisode. Enfin, du premier stream. Premier épisode. Bon bah, salut. Aïe! Ça pique! C'est quand même fort les griffes. Alors je pense que c'est surtout fort contre les ennemis seuls. J'ai un combo avec le triangle. Ouais, enfin j'ai deux coups quoi. Bang bang. Ah
faut aller dans le trou là. De toute façon là il n'y a pas l'air d'avoir de trop de trucs donc salut. Ah l'arc. Ah l'arc. C'est équipé hein. D'accord, c'est comme ça qu'on utilise. C'est avec L2, c'est avec R2. Bleh. Salut les gars, c'est moi que v'là. C'est déjà mieux avec une arme à distance, vous croyez pas? Je vais essayer de viser en fait. Ah! Toi! On n'est pas obligé de s'affronter à nouveau, hein. J'essaye de le placer ce coup. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse deux coups. Voilà. J'ai pas fermé cette fois. Après j'aurais peut-être dû utiliser le sabre. Hein. Je faisais peut-être plus de dégâts. Pendant ce temps. おのれ。おのれ。邪神像はもらった。この邪神像こそ富士の沈め。祭られし富士の峰が今まさに。魔界の蓋が開いたのだ。地味魍魎が溢れ出す。 C'est une mauvaise nouvelle, je crois. Plein d'orbes jaunes. Je prends. Ah, il a des soins médiums.
bonjour. Ah oui. Ah d'accord, faut la paix, faut la... Non mais, vise. Quoi cette orbe? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller là-bas? Bah j'ai pas l'impression que je puisse y aller de toute façon. Hein? Quoi? C'est là, hein? Oui, voilà. Mais ça voulait pas. Aïe! Faut monter, mais je vais regarder aux alentours. D'abord, je veux pas. Hey, nul votre open world. Comment ça, c'en est pas un? Oh, une petite regrette de vie. Donc là, il y a une plante de sauvegarde. On va pas y aller tout de suite. Parce que si ça ne... Si juste après, c'est la fin du chapitre. Normalement, j'ai tout acheté. Oui, donc la sauvegarde. Et... une vie des dieux. Donc j'ai bien fait de regarder à côté.
Allô, je me permets de rentrer, hein. ジャニーを。そうか。ウヌが上ハヤブサの子姓がれか。邪神族を封ずるは竜の忍者の使命とな。小僧、貴様も死にたいと見える。エリザベートよ。以後ウヌらが真偽を示せ。待て。 C'est ce que j'ai dit à ta mère avant de lui couper la tête. Aïe. Vous faites bobo, monsieur. Moi aussi, je sais le faire. Ok. Je me serais contenté de bloquer, ça aurait été largement plus simple. Bah, le chapitre était plus court que le premier. Je vais quand même faire le 2 au moins, le 3 au moins. Du coup. Kirameki no shima. Hoshikuzu no miyako. Utsukushi. Demo kimi. Oh putain, je crois qu'il va être chiant, frère. Kimi a miyakite shimatta ro ne. Et toi, t'es à moi. Un orbe bleu au début d'une mission, ce qui sert à rien. Ok, par là. C'est un magasin normal. Ok. Ça l'a tué ? D'accord. Ah !
Donc on est d'accord. Ah non, faut aller du côté de ce côté là, d'accord. C'est pas spécialement d'un passage particulier, mais. Y'a rien là, ok. Ah, de toute façon, là on pouvait pas passer, enfin, je crois. Les fléaux vigoureux. Nice. Alors on va regarder si. Oui, non, je pouvais pas aller plus loin. Oui, non. Faut monter là-bas. Ok. Enfin, là-haut. Pour le bleu, d'accord. Faut aller par là. Donc moi je continue à monter pour voir. Et bah voilà, un cristal. Ah. Un grand cristal. Aïe! En flèche. Ah, par contre, si je vise manuellement, ça m'en demande qu'une. Intéressant. Je fais de la merde.
peux pas remonter? Ah si. J'ai pas vu s'il y avait des coffres ou quelque chose. Bon, y avait rien, mais je voulais être sûr. Par là. L'arc, ça reste quand même moins fort que les flèches, que l'épée. Ouh, l'arc du phénix de feu, nice. Moi, ouais, je suis pas forcément fan de ce des feux follets ou des trucs comme ça. Eh ben, on s'amuse ici. Eh, bonjour. Vous êtes très gros.
Tiens. Here we go. Salut. Je me permets de rentrer. Les chiens, ils se donnent tellement des rapides. C'est bon. Ah ça, définitivement. Je vais quand même le faire. L'art de l'enfer. Voilà. Je sais pas ce quels seront mes prochains inpo, mais dans le doute. Ça peut me sauver la vie. Hein? Comment je... Attends, comment je monte? Comment je vais sur le côté du coup? Il y a un truc que j'ai pas vu. Ah, c'est juste... Ok. Non? Ah mais... Je peux marcher sur les murs, abruti. Alors, c'est par là qu'on doit aller, mais... Déjà, oui, soigne moi. Ça, je veux pas me... m'en plaindre de ça. What? Pourquoi? Pourquoi ça m'a bloqué? Alors, je vais retenter une fois, mais si ça veut pas, je vais pas insister. Hein. Merde, je suis gouré de soigne. J'ai pas compris pourquoi ça a pas voulu. Bah ok. Voilà. Pourquoi là ça m'a bloqué? Non d'accord, il y a un mur invisible, d'accord. J'utilise le saut pour voir. Ouais non, il y a un putain. Il y a un putain de mur invisible. Non mais au moins voilà, je le sais, donc donc ça, faut aller là, ok. Oui, je l'avais pris le coffre en haut. Connard. Il est où l'autre? Jean-Hubert? Oups. Ah oui, c'est quand je saute, quand je fais du coup de la course sur le mur. Mais du coup, j'ai pas accès à ce qu'il y a au-dessus. À moins que ce soit pour remonter justement.
Ah d'accord, je reviens là, d'accord. Maiwamo Shindeiru. Du coup j'étais en haut, je voulais juste vérifier s'il n'y avait pas quelque chose. Non, non, il n'y a rien. Ok. Ah connard. Tiens, on n'agresse pas les gens à l'entrée de la boîte, ça se fait pas. Non mais où? C'est du vide ou c'est... Oui non c'est du vide, c'est pas de l'eau. Ah oui, oui, je peux faire ça, oui, voilà. Je suis pas complètement con. Oh, nice. Merde. Alors, non, si c'était de l'eau, d'accord. Faisons un peu le tour du propriétaire. Meurs. Ah, il y a une forge de Moramasa. De ce côté, oui, on peut rien faire là. Et la chai. Alors, je vais mettre l'épée du dragon. Ah, je ne peux pas la mettre au niveau 3 pour le moment. Eh bah écoute. J'ai bien envie. Attendez, je réfléchis. Hein, quoique, je me dis que peut-être le bâton lumière pour les groupes, ça peut être plus utile. Allez. Les objets, j'ai tout. J'ai 3 crânes. Je suis tellement smart. On peut aller par là. Eh ben, un crâne de cristal. Alors je sais plus s'il faut forcément les 10 ou s'il faut ou si juste avec ou si c'est au fur et à mesure que ça marche quand même.
Après, c'est pas trop grave. Hein. Alors, faut bien être en haut, mais moi je fouille. Hein. Non, ok. Voilà, j'ai vu une échelle là. Ah! Je pensais qu'il fallait marcher sur le mur. J'ai pas vu la barre. Bonjour. Enfin, bonsoir. Enfin, je sais pas. Alors, faut aller en. À mon avis, faut aller en bas. J'ai l'air d'en rien avoir. Ah! Les contrôles sont pas évidents. Ils n'ont pas forcément amélioré grandement les contrôles sous l'eau. Je sais pas où tu me demandes d'aller là, mais j'imagine qu'il faut monter. Je vois rien. Je voyais pas où je vais aller. Merde. J'ai merdé. J'ai beau avoir dit que les orbes rouges nous en donnaient beaucoup plus. Je m'en sers pas tellement pour autant. Meurs! Là c'est pour monter, d'accord. Ok. Attends, remonter. Les chiens de là, non? Ah non, non. Vu que cette statue elle est bleue, ça veut dire que je l'ai pas prise. What? Attends. Pourquoi je peux pas?
Ouais, mais je peux pas passer par là, donc c'est forcément de l'autre côté. Mais... j'arrivais pas à marcher sur le mur. Bon, je vérifie même si bon, je peux rien faire, et voilà. Hein? Ah, c'était la lumière de... oula oula! C'est la one shot, tant mieux. Ok. C'est deux flèches quand on vise. Ok, ok, ok. Il y a un coffre là-bas et... j'allais dire un cadavre. Mais c'est normal, c'est celui que je viens de mettre. Merde! Bah, ok. Il est pas allé vers le mur? C'est pas moi, c'est la caméra. C'est pas moi qui ai mal joué, c'est le jeu qui est nul. Voilà. Toujours blâmer le jeu, hein, et jamais vous-même. Et une vie des dieux, donc oui, j'ai bien fait. J'en ai combien d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Donc plus que 3. Si c'est comme dans le 1 et que c'est toujours 9, c'est... C'est quand même bourrin le bâton. Ah oui, d'accord. Il y avait quelque chose en bas ou j'ai pas fait gaffe? Non. Ah! J'arrive plus! Non, non. Voilà. Je reprends le katana. Le katana. Y'a rien là, non? Ok. Ta. Alors déjà, on vous calmez. Tiens! Oh, d'accord. Non, dégage! Ok. Ah! Je viens de comprendre. Leur frapper la tête les décapite direct avec le... Alors, je sais pas si c'est le cas avec toutes les armes. J'ai comme un mauvais pressentiment. Oh, c'est gros ce truc. Monsieur, vous êtes très gros.
Aïe. Ouais, mais il est un peu nul, hein. Je m'attendais à pire. Hein. Aïe. Voilà. Je me disais aussi. Oh, je m'attendais à beaucoup, à bien pire. Oh, vous étiez trop très nul. Allez, rentre chez toi. Les mecs cool ne regardent pas les explosions. Allez, c'était la fin du chapitre 3. D'accord. Bah écoute. Bon, je vais pas continuer là. On a fait deux chapitres, c'était bien. On continuera la prochaine fois. Du coup, je dis à merci à ceux qui sont passés et je vous dis à la prochaine. Allez, salut !